Allez, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau débrief, débrief en, en direct. On, euh, on, est, on est sur Football Club de Marseille. Voilà, bienvenue, bienvenue à tous. Bonsoir. Euh, je suis avec Nico. Comment ça va, Nico Salut, ça va, ça va. On se remet. On se remet, euh, voilà. On en parlera peut-être un petit peu après. Euh, Hakim aussi qui est là. Ça va, Hakim Salut, salut. Bah écoute, euh, ça va pas trop mal. Journaliste pour euh, les Lions de l'Atlas, on, on le rappelle. Tu vas peut-être nous parler un peu plus d'Arit. De, de, il, il a joué, il a un petit peu joué, donc on va pouvoir euh, peut-être un peu en, en discuter tout à l'heure. Ça fait partie de vos questions, justement. On va, on va, on va faire ce petit sommaire de, de cette émission. Les trois enseignements, comme vous en avez l'habitude, on va, on va chacun donner un, un enseignement. Ensuite, ce sera l'analyse à chaud. Euh, on rentrera un petit peu plus en, en détail sur ce qu'on a pensé du match, euh, les, les grandes lignes. Et ensuite, ce sera un peu plus. Vraiment dans le détail du détail. Là, ce sera vos questions. Ce sera le meilleur du meilleur, j'ai envie de dire, parce que voilà, vous êtes vous êtes ceux qui font le le les sujets. Voilà. Donc vous avez vous avez posé les questions. Vous mettez questions de points dans les différents chats sur Twitch, sur YouTube. Comme ça, on y répond. Ce sera votre débrief. Je vois beaucoup de, de messages sur San Paoli déjà. On va on va revenir aussi sur ses propos en conférence de presse. Ça va faire partie de de tout ça forcément. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, aussi, bah, mettez un like sur, euh, sur YouTube si euh, l'émission vous plaît, si, euh, si tout ça vous plaît, etc. N'hésitez pas à mettre euh, un like, à partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. On est à 60400 en ce moment, donc c'est très très bien, mais voilà, on peut aller encore plus loin si, si vous vous appuyez sur euh, le bouton s'abonner, donc n'hésitez pas à le faire sur Twitch aussi, on remercie euh, Maxpi, on remercie Mimoun78, qui se sont sub avec Prime. Donc merci beaucoup à tous les deux si vous avez Prime. N'hésitez pas à lier vos deux comptes. Le compte Prime, le compte Twitch. Et ça nous, nous permet d'avoir un petit peu d'argent. Donc ça, ça nous fait bien plaisir. N'hésitez pas à le faire. Je vais arrêter de parler. Et je vais lancer tout de suite les trois enseignements. C'est maintenant. Voilà, c'est contractuel. Hein. Je suis obligé de dire tout ce que j'ai dit avant, euh, sinon Benjamin Courme me coupe les livres. <laughs> non, les messieurs, on va passer euh, du coup aux trois enseignements. Un enseignement chacun, Nico, euh, vu que tu es euh, amoindré physiquement, tu as tu as la primeur. Donc vas-y. Euh, double le moi sur ce match-là. Euh, donc c'est un, un enseignement un peu double. C'est d'un côté je suis virage parce que j'ai retrouvé un OM avec du mouvement et euh, des occasions. Et mon euh, fameux gimmick euh, d'efficacité, mais à la rigueur, je préfère ça Et d'un autre côté, je suis hyper frustré parce que comment tu peux terminer ce match là avec un seul but d'avance? Donc euh, voilà, je suis entre euh, rassuré d'un côté et hyper frustré de l'autre, et après il y a plein de détails qui fait qu'on va pouvoir parler pendant un petit moment. Allez Hakim, ton, ton enseignement, parce que Nico il, 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 se, il prend des libertés, il a mis deux enseignements dans son truc en fait. Donc. Euh, ouais, parce je dis... que je suis entre en deux trucs quoi. <laughs> Allez, Hakim, ton enseignement. D'accord, bah écoute, je vais prendre un petit peu de liberté aussi alors. Vas-y, bah, si, si, Je bien peux sûr. me permettre. Non. Mon, mon enseignement principal, c'est que au vu de, de tout ce qui s'est passé, on va dire, euh, Paoli s'offre un peu de répit déjà. Et euh, malgré tout, euh, je reste, euh, je resterai sur la fameuse marotte de, de Nico manque d'efficacité sur ce match bon ça n'a pas été criant mais comme tu le dis euh, comment finir avec un seul but d'avance voilà euh, bon je, je vais aller dans, dans un enseignement qui était un petit peu c'est un peu pareil que, que ce que Nico a dit mais euh, moi, c'est au niveau on va dire, du spectacle, si on peut dire ça comme ça. Je ne me suis pas, pas ennuyé en tout cas pendant, ennuyé pendant, pendant ce match. Euh, beaucoup moins en tout cas que, que dans les, les matchs précédents. C'est très frustrant, comme le disait Nico, euh, par rapport à l'efficacité. On aurait peut-être aimé avoir un peu plus de, de buts. Là, ça se termine sur le score de 2-1. Mais voilà, franchement, même avant qu'eux mettent le but, tu, tu peux gagner déjà 3-4-0. Ça n'aurait pas été déconnant. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est plus sur ce, ce côté spectacle. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai vu des, des belles choses, des, des, belles, euh, des, des belles passes, euh, voilà, des, des beaux circuits, euh, des, des beaux mouvements entre, entre les joueurs. Et euh, petit plus pour Jerson euh, que j'ai trouvé vraiment très très bon pendant ce match. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de gens le, le saluer sur, euh, sur Twitter, donc euh, je, je suis d'accord avec ça. Et, euh, et donc voilà, bon, on, va, on va rentrer un petit peu dans l'analyse de euh, tout, toute façon. Euh, l'analyse à chaud, euh, c'est dans euh, une seconde. Le temps que je coupe ça, hop, tac, et l'analyse à chaud, c'est maintenant. Allez, on va rentrer un petit peu euh, dans le vif du sujet. Hakim, qu'est-ce que tu as pensé euh, du match contre Bâle bah, comme vous l'avez dit, c'est un match euh, rassurant malgré tout. C'est euh, un match euh, où on a vu euh, de belles choses, de bonnes choses jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu l'entrée de Luan Perez. J'aurais dit, euh, je vois pas qui euh, qui mettre en, en flop limite parce que une équipe qui était cohérente, euh, qui jouait bien en ballon, il y avait vraiment euh, de, de, de bonnes phases de jeu. Euh, Milik qui décroche, enfin, je veux dire, on a vu. Un beau match de football, certes avec une efficacité encore défaillante, euh, des choses à encore à retravailler, euh, mais sincèrement, le match en lui-même était euh, d'une bonne qualité et les joueurs en eux-mêmes euh, faisaient le travail. Euh, j'ai vu euh, pas mal de, de bonnes choses, de bonnes séquences euh, qu'on ne voyait peut-être plus euh, ces derniers matchs. Et donc, euh, comme j'ai dit, jusqu'à l'entrée de Juan Perez, euh, j'aurais dit euh, bah, tous les joueurs ont fait, on fait, on fait leur part. Donc plutôt satisfait malgré tout. Euh, je vais pas sortir un joueur, où je pense qu'on le fera peut-être un peu plus tard sur, sur chaque joueur, mais euh, sincèrement, à euh, bon, part Paillette, où je l'ai peut-être trouvé peut encore un, un, un poil euh, en, en dessous, pourquoi Peut-être l'accumulation des matchs, le fait qu'il soit à gauche, bah, voilà. mais c'est anecdotique, hein, c'est pas non plus euh, flagrant, euh, on va dire qu'il a, qu a fait un non-match ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai trouvé un peu moins, euh, un peu moins euh, frais, un peu moins fringant. Euh, les passes qu'il faisait arrivaient moins facilement euh, que par euh, ce qu'on a vu au début de saison. Mais euh, en tout cas, sur le match en lui-même, euh, plutôt satisfait dans le coup. Nico, tu restes quand même satisfait. Euh, victoire 2-1, ça, ça peut suffire hein, aussi. Mais, mais est-ce que l'OM s'est pas fait un peu peur aussi avec, euh, avec ce but pris Ouais, tu te fais peur et tu t'obliges tu à, à faire un match sérieux au retour. Mais. Euh, Sinon, je suis d'accord avec Hakim, tu proposes un, une équipe cohérente. Euh, finalement, Payet, je trouve qu'il a été embêtant à gauche. Quand en seconde mi-temps, il s'est vraiment mis à gauche trop souvent, à mon goût. Parce qu'en fait, finalement, quand il était faussement à gauche et que c'était plutôt euh, Gerson, voire même Kolasinac qui prenait le couloir, c'était plutôt intéressant. Moi, je trouve que ce système-là, ça laissait beaucoup de liberté. J'ai bien aimé le fait que, que Rongier se projette beaucoup et que ce soit Gendouzi qui compense dans le côté faux latéral droit. D'ailleurs, même le journaliste Canal+, il n'a toujours pas compris que, que, que euh, Rongier il est pas la terre, est juste latéral l'OM a pas le ballon euh, quand l'OM a le ballon il est milieu de terrain mais ça les mecs ça fait combien de temps que ça fait combien de mois que l'OM joue les mecs ils n'ont toujours pas compris ça euh, je dis ça parce que ça m'énerve parce que y a des critiques qui sont euh, cohérentes sur Sampoli mais il y en a d'autres je pense qu'elles sont aussi véhiculées par le manque de connaissance de certains journalistes c'est pas possible de dire des bêtises pareilles quoi je suis désolé R Rongier il joue milieu de terrain quand à la balle et quand ça joue comme Sampoli le veut c'est-à-dire que tu as la balle, et bien Rongier, il joue les trois quarts du match milieu de terrain et il apporte plein de choses. Donc, il euh, faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi à un moment donné. Les mecs, pendant un quart d'heure, ils ont parlé sur le fait que Rongier était à terre à droite. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Bref, c'était mon petit coup de gueule parce que ça m'a énervé. Mais euh, sinon, globalement, moi, j'ai bien aimé la cohérence qui a été mise en place. Mais bon, Under, il fait un poteau. Milik, il fait un poteau. Milik, il rate une ou deux occasions parce qu'il en met deux, hein, mais il en, rate. il en rate au moins une qui est énorme. Gendouzi, il en rate une énorme. Gerson, il en rate une énorme. Euh, franchement, ce match-là, si tu gagnes 5-1, même 5-0, parce que le but que tu prends, il est presque, il peut-être hors-jeu en plus. Euh, il ouais. n'y a, a, a pas scandale, quoi. Tu les, as, tu les as tués à un moment donné, la machine elle était lancée, à la mi-temps, s'il y avait 3-0, c'était pareil. Tu as eu plein d'occasions. Euh, deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, franchement, il y a eu un moment pendant 10 minutes, tu te dis à quel moment ils vont prendre le but, là. Quand Jerson, il frappe sur le... Sur le sur le défenseur. Mmh. Là, ils étaient sous l'eau, ils n'en pouvaient plus. Et, euh, et quelque part, bon, tu gagnes avec la manière dont tu te dis si tu mets le, la même conviction au match retour, tu passeras. Mais es, c'est frustrant de se prendre ce but déjà. Et je pense qu'on ouvrira le, le dossier loin de Pérez. Mais euh, voilà, c'est très frustrant. Mais C'est ce que je disais en, dans mes trois enseignements, enfin dans mon enseignement, mon double dans mon enseignement, c'est frustrant mais rassurant à la fois. Je pense que sans Paoli, il est quand même enfin, euh, le, tout le mal qu'il y a, d'un côté, c'est bien parce que là, ça y est, Payette avec Gerson, et Milik, je pense qu'on commence à trouver quelque chose. Ouais. ouais c'est vrai, justement, je, je, c'était ma prochaine, ma prochaine question euh, dans, dans cette analyse à chaud. Je voulais vous demander un peu ce que vous avez pensé de, de cette connexion entre les trois parce que bah, elle a été vraiment bien, bien mise en avant. Est-ce que c'est. Selon vous, euh, moi je pense que c'est ça, mais je, je, je me demande aussi euh, est-ce que c'est est pas aussi la présence de, de Kolasinac qui, qui vraiment euh, assure aussi beaucoup plus défensivement sur le côté gauche où tu as vraiment un joueur qui prend aussi la latéralité euh, Parce que Luan Perez, euh, on va dire qu'il monte, mais c'est un peu, un peu plus, plus compliqué. Euh, Kolasinac, il a fait un, plutôt un bon match. Euh, est-ce que c'est est lui finalement le, la clé pour que les, les trois payette Milik et Gerson puissent cohabiter, Hakim Je te vois hocher de la tête. Ouais, non non parce que je l'avais, j'ai failli le mettre en, en enseignement du match. Euh, Kolasinac, pour moi, il a fait un, un, un très très bon match, euh, sachant que euh, il a il a pas été euh, très souvent euh, actif dans le jeu. Il a pas été. Euh, on, on a bien remarqué que Sampaoli, euh, c'était son remplaçant. C'était pas quelqu'un sur qui entre guillemets il voulait euh, vraiment capitaliser. Et là, sur ce match-là, on a bien vu l'apport, que ce soit défensif ou offensif. C'est un vrai latéral. Donc, il apporte tout ce qu'un latéral est censé apporter. La sécurité dans le couloir, le repli défensif, et surtout, cette projection facile en avant. Et donc, comme tu dis, Ryan, cette connexion qu'il a eue à la fois avec Payet, puisqu'il était sur le côté gauche, mais aussi avec Gerson, puisqu'il lui aussi dézonnait, elle a été, je trouve, prépondérante. Et ça a apporté pas mal de, 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 de liberté, justement, à Payet, qui a pu lui aussi... Désonné, il prenait le couloir. Et donc, ça faisait doublon, il aurait, il aurait été, il se serait marché sur les pieds. Mais ça a facilité justement le, le fait de, pour Payette de prendre plus de, de largesse et de, et de repiquer dans l'axe. Même si Gerson prenait aussi euh, des fois la profondeur, je pense que Kolasinac vraiment a, a apporté une certaine stabilité. Beaucoup plus que ce que a pu apporter Luan Perez, même à son prime, c'est-à-dire en début de saison avec l'OM il euh, y, y a quand même eu une belle différence, je trouve, en tout cas sur ce match-là. Après, est-ce que ça va durer Est-ce que Kolazinatch va répéter les mêmes, les mêmes matchs au fur et à mesure On verra. Mais en tout cas, sur ce que j'ai vu-là, il m'a donné beaucoup de satisfaction. Et pareil, pour Gerson, c'est cette, cette connexion qu'il y a eu donc entre les trois plus Milik. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça commence à apporter quelque chose, ça commence à faire des choses, euh, des perspectives, offrir des perspectives sur les prochains matchs, qui pourraient justement permettre d'avoir euh, les trois joueurs en même temps sur le terrain, chose que bah, malheureusement jusqu'à présent on n'arrivait pas à, à avoir, soit parce que euh, il y avait un problème d'homme pour Sampaoli, ou soit parce que sur le, 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 le schéma de jeu voulu par Sampaoli, les trois ne collaient pas. Là aujourd'hui, aujourd aujourd sur ce match-là, il y a des prémices de quelque chose à travailler. Alors j'ai pas mal de, de messages Nico euh, sur le, le chat là, des gens qui, qui sont pas trop d'accord avec ça, avec Krasznac euh, qui a fait un, un bon match ou, ou du moins qui, qui a apporté pas mal de, de choses. C'est quoi toi ton, ton analyse sur ça et sur son match euh... Euh, Je trouve qu'il il, il a baissé un peu en, en fin de match. C'est pour, pour ça que je trouve pas surprenant finalement qu'il qu le sortent. Euh, je ne pensais pas que Juan Perez allait être aussi catastrophique, mais. Euh... C'est vrai qu'en fin de match, il était beaucoup plus imprécis. Il y a du déchet dans son jeu. Il n'est pas parfait. Je pense qu'il n'est pas à 100%. C'est pour ça qu'il joue pas aussi tant que ça. Je pense que c'est un, un peu trop... C'est comme dans tout, dans la vie. Euh, rien n'est si simple que ça. C'est pas que une question de choix. Je pense que c'est aussi une question de... de il a expliqué sans C'est un niveau physique pour enchaîner les matchs. Et c'est aussi une, une, euh, le fait qu'il il appréhende le jeu demandé par Sampaoli. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore totalement prêt. Mais ça va venir petit à petit. Et je pense que ce match-là reste encourageant. Et je suis totalement d'accord avec toi, Ryan. Euh, c'est un facteur équilibrant. Parce qu'à partir du moment où on fait jouer les trois, ça c'est ma deuxième marotte, le Milik, Gerson et Payet, tu déséquilibres l'équipe parce que tu n'as plus d'ailier gauche. Mais en mettant Colasinac, qui est un vrai latéral gauche, contrairement à Juan Perez, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus tranchant. C'est-à-dire que lui, quand il y joue... Quand il attaque, il attaque jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire que là, tu n'as pas un doute à te dire euh, parce que Juan Perez ne va pas jusqu'au bout. Donc, il est toujours entre deux eaux. Donc défensivement, ça compense moins parce qu'on se dit bah, :« c'est bon, il est quand même pas très loin. Il va peut-être y aller. Il y va. Ah non, il n'y va pas. Euh, » Donc ça, c'est un peu le défaut de Juan Perez. Alors que Kolasinac, ok, des fois il est très haut et ça laisse des espaces. Mais les, les autres, ça, par contre, c'est net Ils le savent déjà. Ça se voit beaucoup plus. Donc le côté tranchant et les appels qu'il qui propose dans son couloir permettent d'avoir un, une vision du jeu beaucoup plus claire, je pense, pour les milieux de terrain. Et ça, ça, ça quelque part, ça équilibre aussi l'équipe. Et ça permet de, à ces trois lois de pouvoir jouer ensemble. Donc, je suis d'accord avec toi dans cette analyse. Colas titulaire, ça, ça permet un certain, un certain équilibre. Maintenant, il n'a pas les jambes pour être titulaire tous les matchs, surtout avec des matchs tous les trois jours. Donc, tu vas être obligé de jouer avec Juan Perez. Et Juan Perez, on l'a bien vu, euh, il n'est vraiment pas dans un bon moment. Il a toujours eu des petits défauts, mais là, en ce moment, c'est catastrophique. Euh, au niveau du placement des interventions des hésitations du temps de retard c'est flippant moi il m'a il m'a franchement il m'a un peu gâché ma soirée bah il, mmh. il coûte un, un but dans un sens avec son placement et puis le un second pratiquement quoi parce que il perd la enfin, moi, il est mal placé et ensuite il perd la balle enfin il la ré... il la récupère mmh. un peu euh... voilà et puis euh, il la repère et donc on... on risque aussi à ce moment là de d'encaisser de, 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 on va dire une action donc, euh, donc ouais c'est un, euh, un peu particulier cette entrée de, de Luan Pérez mais on va en parler euh, tout à l'heure euh, de toute façon euh, posez des questions mettez dans, dans, dans les chats, j'en ai vu déjà euh, pas mal, on va commencer à y répondre c'est votre débrief Il euh, y a pas mal de, de déclarations aussi de, de Sampaoli je vais d'abord vous lancer sur, euh, sur une des, des questions que, que, que j'ai eues. C'est vrai qu'un des faits de match, euh, je pense que ça, ça sera de façon, demain euh, dans Débat foot Marseille, bien sûr, le fait de match. Mais c'est euh, la suspension de, de Payette. Ouais, on l'a vu enragé quand il a pris ce, ce carton jaune <coughs> pardon, sur, une, euh, sur une faute qui était on va dire en plus, euh, vu que c'était sa première, peut-être que ça aurait pu euh, euh, se solder juste par un avertissement euh, verbal comme ça, mais, mais non, ça n'a pas été le, le cas. Euh, carton jaune et donc suspension pour, euh, pour Dimitri Payet. On a Kit qui nous demande, il dit mais est-ce qu'on doit s'inquiéter Ou alors est-ce que c'est une bonne chose euh, qui se repose et qui soit euh, maintenant à 100% face à Nice euh, Nico, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de ça Est-ce que tu t'inquiètes pour, pour le, le match retour en Suisse j'ai envie de dire, tu as quand même une arme importante en moins. Pour une qualif, c'est toujours problématique. Mais d'un autre côté, là au moins, il va souffler. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que son Paul, il y a du mal à le faire souffler. Euh, après, ça, je pense que ça, c'est un, un débat qu'on va, qu va ouvrir tout à l'heure. C'est arbitrage. Quoi. Je veux dire, l'arbitre, il est aussi nul que sa coupe de cheveux est moche. Quoi. Je dis ça parce que j'ai plus de cheveux et que je suis, je suis jaloux, mais. Le mec, c'est un scandale, cet arbitre, vraiment, bref. Mais euh, le fait est que Payet, euh, ouais, il va manquer au, au match retour, mais euh, d'un autre côté, peut-être que ce sera une chance pour Harit, je pense que Hakim euh, va pouvoir nous en parler, Harit qui n'a pas fait une mauvaise rentrée, et euh, juste pour terminer sur Payet, il a eu du déchet, je suis d'accord avec toi, il est, il est irrégulier dans ce match, pour autant quand a une passe merveilleuse à Milik, que Milik n'arrive pas à conclure pied droit, et euh, il fait aussi une magnifique ouverture euh, à under qui aurait peut-être dû servir plutôt euh, Milik euh, Gendouzi euh, en, en retrait. Donc, sur quand même quelques actions, il, il, il illumine le jeu, Payette, encore. Donc, tu ne peux, euh, peux pas le condamner. Il est, moins, euh, il, est plus, il est plus à 100%, comme à un moment donné où toutes ses passes étaient du régal. Là, on va dire qu'il est à 50%, donc il a du déchet, il perd des ballons, des fois, sur un peu de facilité dans les transmissions. Euh, ça, je le vois aussi, je suis d'accord avec toi. Mais il reste quand même important et si tu le fais se reposer le jouer, ne serait-ce que jouer un match par semaine je pense qu'on peut retrouver le, le bon paillette. Très bien euh, Hakim on t'a vu tweeter en plus un peu, un peu à ce sujet euh, est-ce que t'es es inquiet ou justement ça, ça va lui faire du bien de se reposer euh, avant le match face à Nice au Valodrome le 20 mars je crois Inquiet non parce que quand même on a quand même un effectif qui normalement peut permettre de capitaliser sur ce qu'on a fait ce soir Maintenant forcément, comme le dit Nico, c'est vrai qu'on perd quand même un des, des, des principaux pourvoyeurs et un des principaux joueurs de, de, de l'OM, malgré tout. Et même même si tout à l'heure j'ai dit qu'il était moins bien, euh, même moins bien, ça reste euh, Payette. Ça reste quand même quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a pu permettre de faire deux trois passes de génie que euh, d'autres ne feraient pas. Donc euh, forcément là-dessus, on est d'accord. Mais on a besoin de Payette sur, sur le reste de la saison. Euh, j'ai l'impression que trop l'utiliser, ce c'est pas, pas lui rendre service non plus. Et il euh, y a un moment donné où, où euh, là, on aurait eu un trou dans, dans la saison, euh, enfin dans le classement, je veux dire, on aurait fait le trou. Je dis pas, euh, c'est facile, on va dire, on peut, on, peut, on peut se permettre. Là, le trou n'est pas fait. Donc euh, il faut que, faut que les, les matchs de championnat, il va falloir les assurer derrière. Euh, là, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est exactement l'expression la, la, qu'il qu faut utiliser. Ouais. Euh, c'est un mal parce que forcément se passer de paillettes quand c'est pas un choix, c'est compliqué. Mais c'est un bien parce que ça lui permettra justement déjà de pas faire le déplacement jusqu'à balle. Il est inutile. Et en plus de pouvoir se reposer euh, une semaine entière complète avant avant le prochain match. Donc pour, pour ma part, je pense que euh, oui, c'est malheureux. Mais on a les moyens de faire 100, je pense, sur un match comme celui-ci. Alors, faire 100, ça peut vouloir dire euh, Amin Harit. Donc, ça fait une, une parfaite transition. On a type, type C97 qui nous a, qui, nous a, qui nous a mis ce message. Il dit euh, Harit fait une bonne entrée, enfin Il dit enfin. Donc, euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé, Hakim, de, de son entrée, euh, toi qui suis euh, le football euh, marocain aussi bah, J'ai une petite euh, info à, à, vous, à vous dire c'est que. Euh, J'ai donc euh, tenté euh, par la voie officielle d'interviewer Aminarit. Et euh, pour l'instant, de ce qui m'a lui-même fait remonter, c'est qu'il euh, veut se concentrer sur l'OM parce qu'il pense toujours être là la saison prochaine. Donc euh, est-ce que c'est ce que Longoria lui a dit Mais en tout cas, même l'attaché même de presse de l'OM me l'a dit euh, comme ça. Donc euh, il préfère se concentrer pour regagner sa place, pour pouvoir être là la saison prochaine. Donc, je me dis, c'est qu'il y a peut-être quelque chose sous-jacent, sous si, le, si, 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 si c'est les infos qu'on qu me donne. Donc, moi, je me dis, peut-être que c'est ça aussi qui lui permet d'y de, de, bah, croire et puis de, de faire des entrées euh, quand Sampaoli, malheureusement, lui en donne euh, l'occasion, comme ce soir. Où j'ai quand même. Bon, au début, c'est vrai qu'il est rentré, il n'a pas eu beaucoup de ballons. C'était assez compliqué, mais on voyait sur son repli défensif qu'il essayait d'apporter, euh, malgré tout, sa présence. Et, euh, et euh, après, quand il a eu le ballon. Il n'en a pas fait n'importe quoi comme on l'a vu euh, par moment, donc il a quand même essayé de, de les bonifier. Il euh, y, y aurait pu avoir une passe décisive à un moment donné, euh, malheureusement, qui s'est transformée en, en queue de boudin. Ou, ou, comme on, comme on comme tu as dit, Nico, on verra ça avec euh, la partie arbitrage tout à l'heure. Mais euh, moi, je le sens quand même fringant, je le sens en jambes, et je pense qu'il euh, y a moyen de, de peut-être faire quelque chose, lui redonner de la confiance, et que lui redonne aussi à l'OM sur ce match retour, éventuellement. Euh, et peut-être même avant, euh, qui sait s'il euh, y a besoin de faire euh, souffler justement euh, Dimitri Payet sur une fin de match et, euh, et lui octroyer 15-20 minutes de jeu, pourquoi pas. Oui, justement, Nicoto, tu disais que tu avais euh, passé... enfin, regardé le match sur, sur Canal. Moi, je l'ai regardé sur W9 avec, euh, avec Jean-Marc Ferreri. Et euh, Jean-Marc Ferreri, courageux. justement, quand. De quoi Des courageux. <laughs> J'avais pas, enfin, c'était soit ça, soit enfin, bref, c'est pas grave, mais euh, oui, pour le regarder bien dans le salon, j'étais obligé de, de faire ça, et euh, du coup, euh, du coup, et ouais, c'était un peu, enfin, c'était voilà, c'était des commentaires, euh, mais euh, quand, euh, quand Harit va pour rentrer, justement, il fait cette, cette réflexion, il se dit, bon, il va jouer 15 minutes, c'est peut-être pour préparer aussi le, le, le match retour. Euh, Est-ce que toi tu penses que là, euh, avec ce, ce, cette petite prestation, quand, euh, quand il est entré, il a, il a gagné sa place pour le match retour ou, ou, ou ce sera un, un autre système euh, selon toi Sans Pauli je pense que tu jamais gagné quoi que ce soit. Euh, sauf si tu es vraiment euh, au-dessus, au -dessus, ce qui n'est pas le cas encore. Mais euh, effectivement, on en avait parlé avec Hakim, euh, les dernières rentrées en jeu, euh, même si elles étaient courtes et, 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 et rares, il n'avait pas été très convaincant, euh, un peu trop timoré, timide euh, ou, euh, ou, ou pas bon dans, ce, dans ses choix. Là, il, il, je me souviens notamment côté gauche, il rentre, il frappe, il se fait contrer. La fameuse action euh, déboulée, je me fais découper de, par derrière. Carton jaune, bon ok. Euh, mais euh, effectivement, c'est intéressant, mais je sais pas s'il sera titulaire euh, au match retour. Euh, en tout cas, je pense qu'il jouera. Il aura des minutes. Il sera peut-être pas forcément titulaire parce que je pense que cette équipe elle peut jouer sans paillettes et, et, et pas forcément avec Harit parce que Gerson peut peu mieux organiser le jeu parce que là Gerson il fait des replis défensifs avec une vitesse euh, mais Harit, en tout cas pas titulaire je pense qu'il rentrera peut-être plus tôt dans le match et euh, c'est bien parce qu'il va il va revenir dans c'est c'est une bonne nouvelle et je pense que quelque part euh, si on veut voir euh, du bien dans du mal comme tu disais tout à l'heure, Hakim, je pense que cette mini-crise de résultats est dans le jeu. Quand on lit l'article de l'équipe sur le fait que Longoria il a un petit peu essayé de discuter avec Tampoli, sur le fait de trouver une solution pour faire jouer Milik, etc., de redonner du temps de jeu à des joueurs qui ne jouent plus beaucoup en ce moment, ça a le mérite de remettre certaines choses à plat. C'est pas que Sampaoli cède, mais j'ai l'impression que Paoli, il était un petit peu pris par une tournure négative et, et, et tout le monde était un petit peu en train de. de, de, de C'est comme une fuite en avant, que ce soit l'effectif ou lui. Et j'ai l'impression que là, d'avoir remis un petit peu des choses à plat, Paoli, il est revenu sur un, un truc un peu plus carré. Il a redonné du temps de jeu à Harit. Ça va dans le bon sens. Euh, J'essaie de voir les choses positives, mais en tout cas, voilà, tu as eu des occasions, tu retrouves du jeu, tu as des joueurs qui ont retrouvé aussi un petit peu de temps de jeu. C'est positif tout ça. Maintenant, il faut concrétiser, il faut gagner dimanche, il faut gagner le match retour à, à balle, et là, l'équipe passera relancée. Après, il faudra faire des choix, mais il y a le choix, il un effectif avec des choix, quand même. Maintenant, euh, il faut que tout le monde soit au diapason et on, on va parler de, des prestations individuelles, tout le monde ne l'est pas. Alors, on a parlé d'Arit, de, de, il a failli, comme tu l'as dit, euh, Hakim, euh, mettre une, une belle passe pour, pour Under à un moment. Il monte un petit peu avec le ballon, etc. C'était vraiment, vraiment intéressant, un bon mouvement de, de sa part, mais stoppé net par un gros, gros tacle de Malès, je crois, il s'appelle ce, ce mmh. joueur. Ce joueur qui prend seulement un, un carton jaune. Euh, C'est un, un peu un fait de match aussi au niveau de, de l'arbitrage. Euh, il y en a eu pas mal pendant ce match. Euh, J'ai pas mal de, de messages là-dessus, là euh, notamment sur, euh, sur les hors jeux, etc. Il euh, y a John, notamment, qui demande, il dit, mais la VAR, est-ce qu'elle n'aurait pas à sa place, finalement, dans cette compétition Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas. Euh, Nico, je te laisse la parole, euh, du coup, à, à ce sujet. Qu'est-ce que tu as pensé de, de l'arbitrage, et, et plus particulièrement, est-ce qu'il aurait fallu mettre un rouge sur, sur ce, ce tacle euh, sur Harit Déjà, moi, la VAR, je ne suis pas partisan, donc pour moi, il faut surtout des bons arbitres avant d'avoir de la VAR. Là, il y a un problème d'arbitrage, je suis désolé. L'arbitre de touche, il ne voit pas un hors-jeu qui semble quand même assez évident. Après, les angles ne sont pas top, mais normalement, l'arbitre doit être dans l'axe, donc lui, il doit bien voir. Mais c'est surtout l'arbitre central qui a été mauvais dans ce match-là, dans l'attitude déjà. Je me suis dit, c'est pas un arbitre français. Il a une attitude d'arbitre français, là d'une arrogance, genre me parlez pas, c'est moi qui décide. Quand tu vois que Payette, il prend un jeune sur un tac, mais il touche pas vraiment le joueur, il tacle un peu à côté. Il prend un jeune direct là-dessus sur la première faute, alors que juste avant, Milik, il s'était fait. Il y avait une énorme faute où Milik s'enroule sur le joueur. Je sais pas si vous voyez cette action, hein, le défenseur central, ce Frey, je crois. Pas de jaune. Payette, première faute, jeune et l'autre, il le découpe. Franchement, en fait, c'est rouge obligatoire. Je vois pas Comment tu peux pousser sur cette action Parce que tu peux faire mal aux joueurs. C'est tacle par derrière. il ne pas le ballon une seule seconde. Mmh. Et en plus, tu annihiles une occasion de but parce que cette, cette occasion, elle est ultra importante. Parce que si tu marques, tu fais 3-1, tu fais comme Karabag à l'aller. Finalement, tu retournes le match et euh, merci, on est content. C'est incroyable qu'ils mettent un jaune là-dessus. Donc l'arbitrage a été clairement mauvais. Je trouve que dans l'attitude. À un moment donné, il laissait jouer. Après, il ne sait pas jouer. Il, il a sifflé des fautes euh, qu'on n'a pas compris. Il en a pas sifflé d'autres qu'on n'a pas compris. Dans les deux sens. Hein. Des fois, c'était très bizarre. Bref, très mauvais arbitrage et euh, qui nous aide pas parce que si effectivement le but que tu prends il est hors jeu et qu'en plus il, te, il met pas un rouge alors que c'est flagrant, euh, moi je, je, je vais pas. Euh, c'est pas ça qui fait que tu, tu gagnes pas largement ce match là parce que tu dois mettre les occasions. Mais l'arbitre il t'a pas aidé ce soir quand même. Oui, voilà, on ne peut pas mettre tout dessus, mais en tout cas, ça, ça a forcément pas, pas, pas aidé. Hakim, tu es ressorti un peu frustré, toi, par rapport à cet arbitrage Oui, c'est clair. Euh, alors, ce qu'il faut, qu faut mettre en perspective, c'est que malheureusement, c'est euh, la C4, donc la, la Coupe du Pauvre, hein, on, va le, on, va la, on va la nommer comme ça. Donc, euh, les arbitres, forcément, c'est euh, sans être péjoratif, c'est le fond du panier du, du, de ce qui se fait en UEFA. Et pareil, la VAR, euh, étant donné que c'est une coupe avec moins de moyens, pas de VAR. Euh, mais ce qui me semble être euh, quand même assez incohérent, parce que si on veut qu'il y ait une certaine égalité, une certaine équité, euh, la VAR, c'est soit pour tout le monde, soit on ne la met pas. Donc euh, moi, je ne me prononce pas trop sur la VAR, euh, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, mais je te rejoins par contre sur le fait, euh, Nico, que euh, les arbitres doivent être bons avant tout. Euh, si euh, un arbitre n'est pas au niveau, je ne vois pas ce qu'ils font à, à arbitrer des matchs de ce niveau-là. Euh, je pense qu'il y a certainement d'autres arbitres qui auraient fait le, le job, mais c'est vrai que celui-ci a quand même fait des, des, des choses assez, assez incompréhensibles. Et en premier lieu, en premier lieu ce qui aurait dû être rouge sur la faute à Minaret. Les autres erreurs, on va dire que c'est des erreurs, malheureusement, qu'on voit souvent en Ligue 1. L'arrogance, l'erreur de... de... D'appréciation, de, de, etc. C'est des, des choses que malheureusement on s'habitue trop à voir. Mais le carton rouge à la place du jaune, là, c'est une incompréhension, une aberration totale. Donc je ne m'y ferai pas parce que je me dis c'est quand même la, la santé et l'intégrité physique des joueurs qui doit être mis en avant et en premier lieu, c'est ce qu'on doit protéger quand on est arbitre. Donc là, clairement, il a fait une faute. Ensuite, pour le reste, je te rejoins totalement sur le fait que on aurait dû se mettre à l'abri nous-mêmes avant ça. Et euh, ce n'est pas la faute de l'arbitre si on n'arrive pas à les mettre au fond. C'est ça, voilà. Rien, attends. Oui, vas-y, vas-y. Je te coupe de... Je peux juste préciser un truc. Ce qui est intéressant, est ce que tu dis par rapport à l'avare, c'est que moi, ce qui me dérange aussi avec l'avare, c'est qu'effectivement, c'est un truc totalement inégal. Parce que si tu l'as pas dans toutes les compétitions, tous les matchs, comment, tu vois, ça ne peut pas être égal. Et encore plus pour les arbitres. Parce que quand tu as des arbitres qui sont habitués maintenant à arbitrer avec l'avare, les mecs, ils jouent avec un filet de sécurité, ils ne se mouillent pas trop, ils savent, ils savent qu'il y a le. Attends, fait une connerie ou pas Donc, s'ils se retrouvent sans le filet de sécurité, mais finalement, ils n'ont plus leur réflexe d'arbitre normand, de devoir trancher et d'être sûr de leur choix. Donc, je pense que c'est problématique même pour l'arbitre de devoir se retrouver arbitrer une fois sans VAR, une fois avec VAR. C'est ça qui est problématique en fait. C'est soit VAR pour tout le monde, soit pas de VAR. Parce que ça, ça pose aussi des problèmes pour les arbitres. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de, de réactions là sur, sur le chat. Ouais, c'est. Bon, il y a beaucoup d'insultes envers l'arbitre, calmons-nous, calmons ne euh, vous inquiétez pas, ça, 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 peut être, ça peut être mieux la prochaine fois, voilà, il faut, faut se dire ça. Je crois que ce, cet arbitre d'ailleurs, euh, c'était l'arbitre du match allé, ouais, euh, lorsque, L'Ocomotive Moscou euh, contre l'OM. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. il ouais, y a Nvidia qui dit. Ce qui me dérange, c'est qu'ils ne savent plus faire sans la VAR. C'est vrai que ouais, comme, comme vous êtes en train de dire, si mmh. euh, s'ils sont habitués aussi, euh, ils ont plus trop envie de siffler les hors jeux au début. Ils attendent un peu, donc ça crée de mauvais automatismes aussi chez, chez les arbitres. Mmh. Euh... Ah, on, ouais, on dit estimons-nous heureux aussi plutôt parce qu'un vrai arbitre n'aurait pas sifflé le penalty sur Gandouzi. Le premier, oh, je suis pas certain quand même. Il y avait quand même une petite charge sur, sur Ganduzi. On voit le pied qui était quand même assez haut. En plus, je crois qu'il y, y a contact. Peut-être pas autant que ce que Gendouzi fait euh, quand euh, il reste au sol, les soigneurs rentrent, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de, de tout ça non plus. Euh, mais, mais en tout cas, oui, oui. En plus, quand tu te prends une jambe comme ça, à cette hauteur, je pense que ça fait, ça fait un peu peur. Euh, mais, euh, mais non, le premier, en tout cas, il, je pense qu'il y est. Le second qui réclame un peu de gourmandise de oui, la part de, de Gendouzi. Tombé. Oui, voilà, c'est ouais. ça. Il se, laisse, il se laisse vraiment tomber. Et petite déclaration de... de, de... Alors là, il commence à y avoir aussi les premières de, du coach de, du FC Bale, mais on va se concentrer sur, sur Sampaoli, euh, notamment sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure avec euh, la position de Gerson, avec Payette, Milik et Kolazinac aussi. Alors Sampaoli, il décrit, il dit dans sa position, Gerson pouvait fixer un peu vers l'extérieur. Du coup, ça libérait l'axe à Payette, alors que Kolazinac jouait comme un latéral bien, bien sur le côté. Donc ce n'est pas définitif, ça dépend de chaque match. Donc voilà, il a fait ça pour ce match. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui pourra reconduire ou qui veut reconduire. Euh, c'est un, un peu dommage parce que c'est quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Euh, même en Ligue 1, je pense que ça peut, ça peut marcher. Euh, mais c'était une bonne chose. En tout cas, ça fait un peu aussi euh, compétition euh, laboratoire euh, presque. Parce que ce, ce match contre, contre Bâle, euh, Nico, qu'est-ce que tu penses de, de cette déclade de Sampa de toute façon, c'est pas nouveau. On sait que lui, il s'adapte à chaque match avec la forme aussi du moment de, de chaque joueur. Donc lui, il s'adapte à l'adversaire, mais aussi à son effectif. Donc c'est très compliqué quand même. Et comme je le disais tout à l'heure, Kolasinac, je pense pas qu'il puisse enchaîner des matchs tous les trois jours, titulaire, et, et surtout, il peut pas les, faire les matchs encore ouais. entièrement. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, euh... dit qu'il l'a sorti à cause de ça, parce que au niveau du rythme, c'était pas possible. Il pouvait pas tenir. Ça vous Ouais, ouais. À la fin, il était, il était moins performant. Mais je pense que le, le vrai problème de San Pauli, c'est pas que même si c'en est un qui puisse pas trop enchaîner, mais c'est surtout que Luan Perez est plus du tout euh, au niveau et que ouais. Luan Perez est inquiétant et Luan Perez fait peur. Moi, euh, il y en a certains, dont Mourad, qui, 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 le, qui le tacle de, pas mal depuis le début de saison. Moi, j'étais pas d'accord avec lui en début de saison. Je trouve qu'il exagérait exagéré parce que Juan Perez, il avait des défauts. Je le voyais sur son placement un peu aléatoire, mais ouais. il apportait d'autres choses et il était plutôt bon dans la réactivité, les tacles, etc. Là, Juan Perez, il rentre, tu prends le but direct, mais à chaque action, il me faisait peur. Donc, je pense que le problème de Sampoli c'est comment il va pouvoir continuer à jouer avec Juan Perez. Et ça, c'est un sacré problème. Mais ça, ça, ça risque d'être compliqué, c'est vrai. Hakim, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de cette déclaration Pas de continuité, du coup, avec ce, ce quatuor, presque, ou ce trio, on va dire, sur le côté gauche, avec Gerson, Kolasinac et Payet. C est, c est, ça te déçoit ou tu t'attendais à ce que ce soit comme ça, de toute façon bah, Avec Paoli, c'est compliqué de s'attendre à autre chose. On va dire qu'il il nous habitue à, à nous prendre en contre-pied, en revers, enfin, tout ce qu'on veut. Il n'y a jamais vraiment de totale continuité. Donc euh, là, je me dis, pour le coup, ça a marché, il sait à quoi s'en tenir. Euh, et puis je pense aussi que c'est un entraîneur qui n'a pas envie de divulguer ce qu'il qu fait, ce qu'il a envie de faire, etc. Donc euh, un coup, je peux faire ci, un coup, je peux faire autre chose. Là, en l'occurrence, euh, ça a apporté une satisfaction assez, on va dire, relative, mais en tout cas, ça a apporté sa, son lot de satisfaction. Mais derrière, euh, je suis d'accord avec toi, le, le, bon, même si on sait qu'il ne peut pas aller loin euh, en termes de, de temps de jeu, euh, Colas et d'enchaînement en, de matchs, mais euh, le seul souci, c'est ce le backup derrière qui pose problème et qui, qui, me, qui moi, me limite, j'aurais préféré garder à ma vie, quoi, pour. pour pour pouvoir euh, avoir un, un fond de jeu qui ressemble, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, le, le, le jeu proposé pourrait être le même. Et là, euh, quoi qu'il arrive, même si euh, Kolasinac ne peut pas jouer, on ne peut pas euh, jouer de la même façon, avec lui et sans lui. Donc forcément, quoi qu'il arrive, euh, si ce n'est pas lui qui joue, on ne peut pas garder cette, cette, cette façon de jouer, ce, ce, ce système non. de jeu euh, à trois ou quatre, c'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, ça ne sera pas euh, à chaque fois la même composition. Ouais, on, a, on a pas mal de, de petites personnes qui, qui trollent là, sur le, le chat. On a Nas qui dit euh, El Khalifi a dit qu'il y avait faute sur Gendouzi. Euh... <laughs> Alors forcément, les supporters de, de l'OM sont régalés hier soir. Hein. On va dire que c'est plutôt une bonne semaine là pour l'instant. Ça va, euh, victoire, euh, l'élimination aussi du, du PSG en, en Ligue des Champions. Euh, voilà, il manque Cri plus qu de quoi Triplet de Benzema. Ouais, triplet de Benzema. C'est vrai que si on est euh, franco-algérien, par exemple, euh, on se met bien. On se met bien en ce moment. Arrêtez. Moi aussi, <laughs> ça m'a fait plaisir. Ah bah oui, oui j'imagine. Ouais. Nico aussi, il était content. J ai, j ai vu, on, a, on a pu échanger un peu sur, sur Twitter. J'ai vu ses tweets aussi. Euh, on s'est couché un peu plus tard pour ça, mais voilà, il fallait quand vrai. même... Euh, Fallait, voilà, ça valait ça valait le coup euh, c'est ça je m'attendais euh, je m'attendais à ça c'est pour ça que j'ai regardé ce match euh, bon d'ailleurs euh, en top, en top tweet là il y a Romain Molina euh, donc euh, je crois qu'il a balancé des, des grosses mais, vidéos mais une sur vidéo le... qui est sortie ouais apparemment le PSG veut se séparer de enfin le, le Qatar plutôt veut se séparer de, de Neymar voilà ils en ont marre de ouais. je pense de, de lui donner un énorme salaire et, et qu'il leur chie euh, ils l'ont prolongé quand euh, rappelez moi ah, il n'y a pas très, très longtemps c'était ah ouais, l'été dernier c'est ça. Euh, une, une gestion incroyablement catastrophique. Et le prof ouais. de tennis qui leur sert de président, il, non, ils non, veulent pas s'en séparer. Non, <laughs> non apparemment, euh, apparemment non. Euh, alors oui, justement, Maddy qui, euh, qui nous dit heureusement que Mandanda sauve. Alors oui, justement, on va parler de ça, de cette. Euh, en fait, moi j'aimerais bien juste qu'on fasse un focus sur Rongier, le match de Rongier, parce que plus offensif que d'habitude. Malheureusement, toujours ce manque d'efficacité. Euh, Est-ce qu'on peut limite euh, considérer que c'est une passe décisive ce qu'il fait parce qu'il frappe, le gardien il repousse et euh, voilà donc quand même il a été un petit peu décisif dans un sens parce qu'il amène une grosse action et une action de, de but. Par contre ouais, ce, ce, cette, cette, euh, <laughs> cette tête sur sur Mandanda qui a failli finir au fond euh, au fond des, des filets marseillais <laughs> ça, ça, ça a fait frissonner pas mal de pas mal de gens. Euh, Hakim t'as pensé quoi de, du match de de, de Rongier? Bah jusqu'à présent, il a toujours donné satisfaction, même si là, dernièrement, c'était un peu plus compliqué pour lui. Il était un peu dans le dur aussi, mais à l'image de toute l'équipe, je vais dire. Mais c'est vrai que lui, il a, il a quand même un poste qui est quand même très, très. Enfin, euh, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, euh, c'est compliqué d'être lucide tout le temps. Hein. On sait que l'acide lactique, au bout d'un moment, euh, fait son effet et euh, on n'y arrive plus. Et lui, il a toujours été présent euh, jusqu'à la surface de réparation. Pour preuve, à chaque fois, il a au moins deux ou trois occasions de tir. Malheureusement, il n'y arrive pas. A... Je ne sais pas s'il arrivera à marquer avant la fin de la saison, mais euh, c'est compliqué pour lui. Mais en tout cas, il arrive à apporter quand même euh, pas mal de choses. Donc euh, offensivement, euh, c'est vrai que là, sur, sur le coup, le, le but de Milik, bon, Milik, euh, renardé surface, et on peut dire merci aussi au gardien, parce que la, la belle boulette qui, qui nous sort, euh, ça nous aide, ça nous arrange. Tant mieux. Par contre, c'est vrai que derrière, lui aussi aurait pu faire une belle boulette. Mandanda, euh, bah, finalement, il est encore en jambe, hein, il a réussi à, à faire un retour euh, du feu de Dieu pour euh, éviter euh, cette catastrophe, parce que là, ça aurait, ça aurait jasé pas mal sur les, sur les réseaux sociaux par rapport à cette boulette. Donc non, moi, rongier, je le mets en lumière, mais comme je l'ai pu le mettre en lumière assez souvent, euh, ça reste quand même le, le soldat, le gars qui apporte, le gars sur qui on peut compter. Surtout à ce poste hybride qui, euh, bah, en fait, ne, ne convient qu'à lui. Parce que personne, chaque, chaque personne qui, a, qui aura pu essayer d'être euh, sur ce poste-là n'a pas vraiment donné satisfaction. Enfin, ils n'y arrivent pas. C'est un, un poste limite taillé pour lui. Donc, euh, satisfait. Avec un petit bémol sur, sur euh, sa boulette. Ouais, sa, sa boulette qui a, qu a failli coûter, euh, coûter cher. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de, du match euh, de, Ron, de Rongier Il euh, y a quand même des, des gens ouais, qui disent heureusement qu'il a mis la tête. Heureusement qu'il met la tête et que Mandanda, du coup, peut, peut la dégager de la main. Le truc c'est que Rongier, euh, c'est comme ça qu'il doit jouer. Et c'est comme ça que je pense que San veut le voir jouer. C'est-à-dire que s'il met un milieu de terrain à ce faux poste de latéral droit quand tu n'as pas la balle, je le rappelle pour. Bon, je sais pas comment il s'appelle le journaliste de Canal C'est que le but c'est pas de défendre, le but c'est d'avoir le ballon. Et quand as le ballon, tu l'as vu ronger. Il joue très haut, il se projette, il va jusque dans la surface. Il peut faire des passes. Il a la technique pour faire des passes. Normalement, il est censé avoir la technique pour marquer des buts avec des frappes, ce qu'il faisait à Nantes. Mais là, il a, il a clairement un blocage psychologique, évident. Là, il fait deux belles frappes, elles sont contrées. Et il a cette fameuse occasion là sur le, le 2-0. Franchement, la frappe, elle est tout pourri, quoi. Heureusement que le gardien, il a des gants en, en carton parce que elle est pourrie. ça frappe, il peut, il peut pas la mettre plus mal, en fait. Euh, mais euh, voilà. À chaque, je... à chaque fois, il frappe du gauche. Il est droitier. Et à chaque fois, il frappe du gauche. Ouais, je pense qu'il se plante dans ses appuis ou je sais pas ouais. ce qu'il fout. Non. Mais euh, je trouve qu'il a fait gros. vraiment un match hyper intéressant. Euh... Dans le, dans le jeu, dans la transmission, il est toujours euh, disponible. Euh, on on l'avait connu avec euh, quelques déchets techniques ces derniers temps, là je trouve que c'était vraiment ouais. intéressant. Pour rappeler qu'aussi, euh, face à Monaco, c'est peut-être lui qui a la plus grosse occas pour l'OM, avec une frappe qui est bien sortie par le, par le gardien. Euh, quant euh, à la boulette, je ne sais pas si c'est une boulette en fait, parce que euh, ce genre de choses, c'est un problème de communication entre lui et le gardien. Ouais. Si Mandanda ne lui a pas clairement dit, je suis derrière, juste derrière toi, euh, est-ce que c'est lui ou Mandanda qui fait la faute ouais. Moi, ça, moi, je pense pas que tu... Ça dépend de comment ça a été communiqué. Si Mandanda lui a dit, oui, clairement, c'est une boulette. Par contre, si Mandanda, il s'est foutu là sans parler, euh, c'est aussi. Faut, faut discuter parce que ce n'est pas le gardien habituel. Mandanda, c'est le remplaçant. Ouais. Donc, euh, les automatismes, ils sont moins là aussi. Et après, juste pour terminer, euh, moi, je ne trouve pas que Mandanda ait été ultra rapide pour sauver ce ballon. C'est vrai que j'ai eu quoi, moi Les premiers appuis, c'est même d'une lenteur assez flippante. Mais je pense que par contre, l'expérience qu'il a parfaitement géré le timing pour vraiment le coup de rein au dernier moment et la sortir ouais. là c'est l'expérience qui a qui a parlé parce que à la base heureusement que c'est loin hein, parce que le démarrage qui nous fait le temps qui se retourne c'était pas, pas l'explosivité là tu sens le poids le poids des ans, quand même mmh. euh, tu, tu demandes euh, du coup si euh, si Mandanda lui a parlé alors euh, sur euh, W9 en tout cas on a eu ce, ce plan là euh, ils sont un peu attardés euh, là-dessus justement. Il vient, il... enfin les, les, les deux discutent, et Mandela lui dit non, non, mais je te parle, je te parle, je te le dis quoi, que je que suis derrière. Et, euh, et euh, Rongier fait comprendre qu'il n'a pas entendu. Et euh, à la fin, Mandela dit bon, t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, il essaie un peu de, de, de le remotiver, de dire c'est bon, on y, on y retourne, c'est rien. Euh, je l'ai sorti donc, euh, donc tranquille quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'on peut se demander à qui la faute finalement. Mais bon, vu que ça n'a pas coûté euh, grand chose à l'OM, on, on va essayer de, de passer de passer à, à autre chose. Euh, si vous voulez un petit peu les, les résultats des autres, euh, des autres huitièmes de finale. Les autres perdus par contre. Alors, il ouais. euh, y a le partisan euh, contre Feyenoord, euh, 5-2. Euh, pour Feyenoord, donc 2-5 plutôt. Euh, Slavia Prague euh, contre Lask. Euh, Slavia Prague gagne 4-1. Euh, victoire de la Roma. Euh, par contre, la Roma prend un, prend un rouge. Donc c'est Sergio Oliveira, l'ancien joueur de... Euh, de Porto qui prend, qui prend un rouge et c'est d'ailleurs lui qui marque le, le but pour, euh, pour la Roma contre, contre Vitesse euh, pas Salonik qui gagne 1-0 aussi contre Gent le, 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 le club euh, le club belge 4-4 euh, entre Copenhague et le PSV Eindhoven euh, c'était aux Pays-Bas par contre donc vraiment gros gros match qui était, qui, qui était en cours en même temps que celui de, de l'OM le Bodo qui gagne 2-1 euh, contre euh, Alkmaar donc, euh, vraie bon, euh, vrai bonne chose aussi pour, pour, pour ce petit club. Euh, Leicester qui gagne, par contre, à domicile face à Rennes, 2-0. Donc, euh, voilà, All Brighton et Ian Hacho qui qui marquent les, les deux buts. Euh, ils avaient tenu 1-0 jusqu'à la 93e. Hein. Rennes, c'était compliqué et pour eux. A... Ryan a noté oui. que Monaco a perdu aussi 2-0 contre Braga en, vrai. En, en Ligue Europa. Europa. En Ligue Europa, ouais, c'est ça. Euh, J'ai vu ça. Ce sont pas les crois... mêmes adversaires quand même. Il hein. faut quand même le, <laughs> le signaler. <coughs> le FC ouais, Basel ça. ça a été un, un, un très bon club suisse, mm. euh, mais depuis là cette année, c'est quand même un peu moins performant. On l'a quand même vu. Euh, c'est pas une équipe euh, cramée et minable. Hein, je dis pas ça, mais euh... Tu vois, Braga, c'est une équipe portugaise qui a quand même un bon niveau. Leicester, pour ceux qui regardent la première league, c'est quand même du solide. Franchement, le FC Bâle, tu, tu, tu peux, as pas le droit d'être éliminé contre eux, quoi. Ouais. Leur, leur attaquant, Chaloff, qu'ils ont recruté euh, cet hiver, il n'a quasiment pas existé face à l'OM. Donc, euh, je suis désolé, si tu, mets le, 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 si tu fais le match qu'il faut, tu ne peux pas te faire éliminer par l'UFC Ball. Ça serait, ça serait vraiment une contre-performance. Heureusement qu'ils ont perdu leur, leur attaquant, le Brésilien Cabral, qui est parti euh, du coup à la Fiorentina pour remplacer Vlaovic, qui a été recruté par euh, la Juve. Donc, euh, donc ouais, en, plus, en plus, ils ont changé de coach aussi. Donc, c'est un peu un moment particulier ouais. aussi pour l'UFC le, le Ball. Il faut, faut le rappeler. Bon, si tu veux parler un peu des, des Français, il y a quand Porto-Lyon, euh, euh, Lyon qui a gagné 1-0, un, un euh, et puis, euh, puis du coup, comme tu le disais, euh, Monaco qui a, qui, qui a joué aussi euh, tout à l'heure euh, et qui a terminé, euh, terminé sur, sur, sur ce score de 2-0. De, de euh, je crois qu'ils ont en plus deux, deux buts refusés, euh, Monaco, si je, 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 me, je me trompe pas, mais ils ont eu, euh, ils ont eu des, vraiment pas. des. De quoi je Parce que là, il y a la VAR. Oui, voilà. En Europa League, il y a la VAR, par contre. Mais ouais, mmh. c'est vrai que c'était un, un peu compliqué pour, euh, pour Monaco, qui, euh, qui perd 2-0 contre, contre Braga. Euh, on a joué contre Braga euh, en pré-saison. On a fait un partout, je crois. C'est Kit qui nous dit ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, on, a, on, a, on avait joué contre eux à, à ce moment-là. Euh, il faut lâcher cette coupe. Euh, il faut jouer le championnat. Euh, c'est Ziak qui dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous avez envie d'aller à fond Ou alors, justement, cette compétition, ça fait un peu Europa League 2018, même s'il y a un peu moins de prestige, mais est-ce que vous le sentez quand même bien Parce que là, le huitième de finale, je dis pas que l'OM euh, est tranquille, mais ça a l'air d'être quand même des clubs qui sont plutôt à la portée de, de l'OM. Là, tous ceux que j'ai cité il y a peut-être, on va dire, aller la Roma et Leicester qui font un peu peur, mais si euh, on sait jamais, ils s'affrontent les deux avant la finale. On euh, peut y avoir une finale un peu un peu folle euh, avec euh, avec l'OM. Euh, Nico, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses tu, tu veux quand même aller à fond, même si c'est la Toto League, comme il dit Jean-Charles Moi, je m'en fous, hein. peu importe. Hein. <laughs> Moi, je n'ai euh, pas cette vision euh, péjorative de, de la Coupe d'Europe. C'est une nouvelle Coupe d'Europe. OK, c'est la Coupe d'Europe du pauvre, clairement. Mais c'est une Coupe d'Europe. Et c'est la première. Moi, je dis, prends, prends tout trophée que tu peux euh, glaner, glane-le. Euh, et je trouve que les, les émotions, elles sont belles en, en, en Coupe d'Europe. Et euh, si tu passes en quart. Et euh, imagine, euh, tu passes en quart, tu, 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 tu joues à un, un, un club. Il euh, y a deux clubs encore néerlandais, c'est quand même des, des, des clubs compliqués, etc. Tu peux, tu peux choper euh, un Leicester ou un truc comme ça. Enfin, ça peut, tu peux avoir des belles affiches au vélodrome. Moi, je dis, il faut profiter, il faut la jouer. Le truc qui me déçoit, c'est que je me dis, ce soir, tu avais l'occasion de gagner ce match-là 4-0 et de mettre une équipe bien bis au match retour, de donner du temps de jeu à des, à des mecs qui ont besoin de jouer, de faire souffler des mecs qui ont besoin de souffler. Et quelque part, en faisant 2-1, eh tu vas être obligé de quand même mettre une équipe euh, euh, plus qu'hybride euh, pour le match retour. Et moi, c'est plutôt ça qui m'embête vraiment dans le résultat de ce soir. Hakim, euh, qu'est-ce que tu penses toi, de, de cette compétition, du coup non, mais Moi, je suis pareil, je ne qualifie aucune compétition. Je me dis que l'OM se doit d'être de, de, présent malgré tout. Après, je comprends ceux qui veulent dire euh, qu'il faut se concentrer sur le championnat, etc. Mais de toute façon.. Euh, lâcher une compétition, je ne suis pas sûr que psychologiquement ce soit euh, l'idéal pour, pour les joueurs. Il faut, il faut continuer, il faut le taper dedans, il faut essayer. Et De toute façon, limite, ça peut aussi donner du temps de jeu à d'autres. Ça peut permettre de faire tourner, de, 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 de faire un petit peu euh, euh, une revue d'effectifs euh, par moment selon l'adversaire. Et puis, euh, comme on sait que San aime tester, ça lui permet aussi de tester euh, des choses euh, autres que sur la Liga. Et donc, pouvoir justement savoir si telle ou telle façon de jouer ou tel ou tel joueur dans tel ou tel poste peut amener une satisfaction quelconque pour pallier une absence ou face à un autre adversaire. Donc, non, moi je suis, je suis partisan de, de jouer, de jouer le, le coup à fond. Et gagner un titre, c'est toujours bon à prendre, surtout que ces derniers temps, ce n'est pas, pas ce qu'on hein, qu voit le, le plus. Donc, non, non. Essayons de la jouer à fond. Si on peut la gagner, gagnons-la. Et puis, euh, derrière les matchs de championnat, de toute façon, je pense que la motivation, elle sera là pour essayer de, de faire des résultats. Donc, euh, je rejoins Nico en disant on joue à fond. Ouais, tu parlais de, de laboratoire un peu, de. De, de moments aussi où Sampoli peut faire des, des tests. Euh, justement, il euh, y, a, y, a y, a, y a Lolo Boro 83 qui dit, est-ce que c'est normal de faire uniquement deux changements euh, Quant à Dieng, Bakambu, Conrad qui sont sur, euh, sur le banc, il y avait Lirola aussi qui n'est pas, pas entré. Euh, c'est vrai qu'il n'y a que Harit et euh, Luan Perez qui sont entrés. Euh, seul, euh, deux, deux seuls joueurs, deux seuls changements. Bon, Sampoli nous a habitués aussi hein, à à chaque fois faire très peu de changements, mais, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez de, de ça, Nico, notamment Qu'est-ce que tu qu que as pensé de, de la lenteur, on va dire déjà aussi, des, des premiers changements et le fait qu'il utilise un piste que deux ouais, Comme tu dis, hein, Saint-Paul, est, on est habitué à ça. Lui, il met son équipe en place, il n'aime pas modifier comme ça. Même, je pense que les changements qu'il a fait, c'est parce qu'il a vu que Colasinac que, que commençait vraiment à tirer la langue et à perdre plus de ballons et que Payet, c'est pareil, c'est des choix physiques. Euh, après, moi, je me suis posé aussi la question, je voulais voir le petit dingue comme d'habitude. Je me suis dit, bon, il sort qui Bon, Milik, non, il ne faut pas le sortir, il faut qu'il joue Milik, il veut, il, faut, il veut marquer des buts. Euh, Gerson, il fait un super match, tu vas pas le sortir. Euh, bon, euh, Under, il a moins joué ces derniers temps, tu vas pas le sortir. Donc, finalement, il était un peu embêté, je pense, pour faire des, des changements offensifs. Et, euh, les, et les autres changements, tu ne vas pas changer un défenseur, sauf s'il est cramé, et ce n'était pas le cas pour les autres. Et au milieu de terrain, vu que Gay était, pas, euh, était suspendu, tu n'avais pas un choix pléthorique. Donc je, je pense que finalement, il n'avait pas trop choix. Ou alors, il fallait sortir Milik, il fallait sortir Gerson ou Under. Et c'est des joueurs qui avaient envie de jouer. et Je pense qu'il n'avait pas envie de les sortir. Il a suffisamment de problèmes en ce moment. Mmh. Euh, très, très bien, Nico. Euh, je ne sais plus si j'ai posé la question à qui ou pas sur les changements. Non, je t'ai pas posé la question à qui. Non. Euh, qu -ce que, du, du coup, qu'est-ce que tu qu que as pensé de, de, de ça Est-ce que tu aurais voulu aussi voir d'autres joueurs euh, entrer bah, de toute façon, je, je, je rejoins un peu ce qu'a dit Nico sur le fait que Sampaoli nous, nous habitue sur, sur cette, cette question-là, des changements. C'est plus euh, à son bon vouloir, à son feeling. On ne sait jamais, mais en règle générale, il y a très peu de changements, ou très tard. Mais euh, là où je rejoins, euh, où j'apporterai je, où je, où un petit bémol par rapport à ce que tu dis, Nico, c'est euh, Under, à un moment donné, je l'ai senti qu'il était déjà dans le dur. Déjà à la 20e mmh. minute, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il, tenait, il, il avait déjà les mains sur les, sur les genoux il commençait déjà à, à peiner un petit peu. Après, c'est son match de retour aussi, donc euh, il faut, faut s'y remettre. Mais je pense que ça aurait peut-être été judicieux sur une fin de match de faire rentrer Bamba, qui apporterait peut-être un, un peu plus de vitesse et de profondeur à la place d'Under, justement. Et ça aurait permis, euh, peut-être, de, de, de marquer ce troisième but. Bon, après, c'est hypothétique, encore une fois. Mais ça aurait peut-être permis d'apporter de, de, ce but-là et de faire souffler Under euh, aussi. Maintenant, c'est vrai que, de toute façon, je pense que Sam Pauli se pose beaucoup de questions lors de ces changements. Qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire je, Après, je, je, moi-même, je suis perdu à sa place, on va dire. Euh, J'arrive plus à cerner en fait, ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et donc, euh, je pense qu'à la fin, je te rejoins en, en se disant, euh, il vaut peut-être mieux ne rien faire, puisque ça fonctionne à peu près, que de, de, de toucher et puis que ça ne fonctionne plus. D'autant plus dans la période actuelle où euh, on lui fait pas mal de reproches, où il y a beaucoup de de choses qui lui reviennent à ses oreilles. Je pense que Milik, maintenant, il doit avoir... Après, j'espère que ce n'est pas le cas, mais il doit avoir une sorte de blanc-seing en se disant qu'il va falloir qu'il joue un maximum de matchs pour que, limite, les supporters soient contents et puis que la direction soit contente, etc. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que si Milik doit jouer, c'est qu'il le mérite, et pas parce qu'il faut que derrière, on satisfasse aux exigences d'un tel ou d'un tel. Donc, sur les changements, c'est du sang de en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on n'attend pas, pas à chaque fois, enfin, on, on essaie justement de ne pas en attendre plus, parce puisqu'on commence à avoir, euh, avoir un peu euh, l'habitude. Euh, Adrien, il demande, il dit, mais à quel moment de la saison saint Oli a fait un coaching gagnant Et c'est vrai, quand on, on y réfléchit un petit peu, c'est assez rare qu'il y ait une entrée. Il n'y a pas longtemps, il a un ami qui est d'un retourné acrobatique Face la au FCMS, je crois. Euh, oui. Toi aussi. Ouais. C'est vrai. Mmh. Donc euh, voilà, bah, tu vois Adrien, là tu as la, la réponse. J'avais un peu, j'avais complètement oublié ce, ce, ça. Je ne sais pas pourquoi. Dans, dans ma tête, il était déjà titulaire pendant ce match, mais c'est vrai. Ça, ça, ça peut être un, un bon coaching gagnant euh, récent, euh, mmh. du coup. Mais c'est vrai qu'il est coutumier du fait, sans paoli de, de, ne, pas, de ne pas, forcément, euh, pas forcément faire, faire des changements euh, euh, comme ça. Euh, mais sur ce, vous... ouais, pour terminer là-dessus. Je pense que moi, je, je, je le critique et je lui reproche souvent ça quand, euh, quand tu dois aller chercher une victoire et que le match, il est pas en ta faveur. Mais je veux dire, avant que tu prennes ce but débile, et euh, juste après l'entrée de Luan Perez, tu n'as pas forcément besoin de faire tes changements. Tu vu, là, tu es en train de les éclater dans le jeu. Euh, tu, y a, y a, moi, je n'aurais pas compris non plus qu'ils fassent des changements avant. Oui. Tu es en train de les laminer, les mecs. Et euh, là, il fait des changements parce qu'il voit que ça commence à tirer la langue physiquement. Et bim, tu te prends un but là. Il a aussi pas de chance qu il se prenne un but à ce moment-là, peut-être hors jeu, et que pérez Perez il soit complètement à la rue comme ça. Donc, lui, taper dessus euh, par rapport à ça, c'est franchement, il y, y a des matchs où son coaching était bien plus critiquable que, que ce soit. Ouais. Ouais. Il y a un joueur là qui se fait un peu taper dessus. Enfin, c'est toujours le le gros débat euh, voilà pour, pour reprendre un peu euh, voilà c'est toujours le gros débat de, des gens qui adorent Gerson, d'autres qui le, qui le détestent et des gens qui disent bah ouais je comprends pas qu qu'est-ce qu que, qu que vous lui trouvez il était il est inintéressant etc euh, donc bon euh... On en a un petit peu parlé euh, au début. Je sais pas si vous voulez euh, ajouter quelque chose sur euh, sur, sur Gerson, euh, notamment euh, bah voilà sur le sur le but là de de, de Milik où, euh, où Rongier fait fait cette frappe qui est repoussée par le gardien. Mais Gerson, par exemple, il fait un, un super geste avec une très très belle déviation. Euh, Nico, euh, tu comprends Est-ce que c'est -ce est, est vraiment parce que c'est souvent le la l'excuse qu'on donne euh, que que bah, Gerson, il paye un petit peu le prix de son transfert aussi euh, est-ce que tu est es d'accord avec ça est-ce que c'est est, l'excuse qu'on peut donner à, aux personnes qui, qui n'aiment pas Gerson ou, ou c'est quelque chose de plus profond parce qu'il a, un, il a un, on va dire un profil qui peut, qui peut être un petit peu dissident, enfin, je sais pas si c'est le bon non. terme mais non, différent peut-être Non, moi, je pense que Gerson il paye trois choses le montant de son transfert qui est énorme euh, le fait qu'il ait fait un mauvais début de saison et le fait qu'il soit considéré par les supporters qui n'aiment pas Sampaoli euh, comme le chouchou de San Paoli. Donc ça lui fait trois défauts euh, compliqués à, à remonter par, par rapport à ces gens-là. Mais euh, dans la réalité, si on veut être honnête, euh, Gerson a raté son début de saison. Il est monté en puissance. Et je trouve que, surtout, euh, maintenant, physiquement, il est au top. Moi, quand je vois les courses, je sais pas, j'ai une action qui me revient dans ce match-là, où euh, Kolasinac il se fait larguer par euh, l'ancien niçois, là, Ndeu, qui était plutôt remuant et il y a Gerson qui revient comme un V2 et qui le rattrape. Parce que Gerson en fait, il est nonchalant au démarrage. Mais une fois qu'il est lancé, il va super vite. Et euh, ça, c'est un détail parce qu'on n'en parle jamais de ce côté physique. Moi, je trouve que dans l'impact, physiquement, dans la vitesse, il est impressionnant. Et techniquement, je suis désolé. Après, Payet c'est le meilleur dans l'effectif. Techniquement, c'est un monstre. Après, quand il joue un peu trop bas, effectivement, des fois, il joue un peu à la babale, à ralentir, à jouer à deux à l'heure. Ça peut être énervant, ce côté nonchalant. Je peux l'entendre. Mais par contre, dès qu'il se rapproche de la zone de vérité, qui a un peu de rythme dans le jeu, parce que ça dépend pas que de lui, qui y a du mouvement, Gerson, c'est un sacré joueur. Moi, Gerson, je me régale de le voir quand ça tourne. Quand ça tourne, pam, 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 ça combine, il se déplace. Lui, et lui il dort, il dort pas. Hein. Il n'attend pas que le ballon arrive. Il met beaucoup de mouvement, etc. Donc moi, je suis désolé, Gerson, on peut le critiquer, il y a des moments où il n'a pas été bon, mais en ce moment, ceux qui disent qu'il est mauvais en ce moment, les gars, achetez-vous des lunettes. <laughs> <laughs> voilà comme ça au moins c'est dit Hakim est-ce que tu, tu conseillerais aussi euh, aux gens euh, d'aller un petit peu dans, dans, dans chez les opticiens euh, prochainement c'est un, un peu bête parce qu'on va, va se marcher dessus avec Nico c'est exactement ce que j'allais ouais. dire, euh, quand tu vois les efforts qu'il fournit, quand tu vois euh, euh, l'omniprésence qu'il a, quand tu vois ses, ses, ses remontées de balles quand, sa, sa couverture de balles, alors certes oui c'est pareil, euh, par moment il est agaçant quand il, quand il ralentit le jeu moi, le premier, je suis le premier à le dire, par moments, il ralentit le jeu. Et c'est peut-être ça qui, qui euh, ternit, on va dire, son image. Mais c'est son jeu. Et euh, c'est aussi pour ça, je pense, que San Paoli l'a voulu. Parce qu'il a une protection de balle que, que peu d'autres ont. Et donc, c'est quelque chose qui lui vaut aussi euh, cette euh, désamour de certains. Par contre, euh, quand on voit les retours défensifs qu'il qu fait, la couverture qu'il fait, notamment sur le côté gauche, quand Kolar... Que Kolasinac monte et qui a besoin de revenir vite parce que bon, Kolasinac c'est un, un, un latéral mais il n'est pas très très rapide, faut l'avouer. Alors que Jefferson, même en, en partant de, de derrière Kolasinac, il, il revient sur, sur le sur l'attaquant euh, plus vite que lui. Donc moi je ne comprends pas. Il y, y a par moments des, des critiques qui peuvent être justifiées. Un match sur certains sur certains moments, oui. Euh, ce soir, pareil, je ne comprendrai pas qu'il n'a pas été bon, ou même qu'il a été moyen. Il a été très bon ce soir, encore une fois. Alors certes, il marque pas, certes, il n'a pas fait marquer dans le sens premier du terme, donc on ne lui reconnaît pas ce, ce, cette touche offensive qu'il a apportée jusqu'à présent. Mais euh, je ne comprends pas, moi, après les, les, les critiques aussi acerbes que, que, que ce qu'on entend jusqu'à présent. Donc, euh, mais je pense que les justifications que tu les as données, Nico, c'est-à-dire que c'est l'homme de San Paoli, que c'est le, le transfert à plus de 20 millions d'euros, etc. Donc, euh, une fois dépassé ça, il faut qu'on regarde ce que, ce que l'homme apporte sur le terrain. Euh, S'il si, euh, apporte ce qu'on a besoin qu'il apporte en tant que joueur à ce poste-là, il ne faut pas aller chercher plus loin. Mmh. Donc, euh, euh, voilà, je, 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 moi, je reste persuadé que c'est une bonne recrue qui s'adapte. Alors, qui a mis du temps à s'adapter, mais qui va, qui va, je pense, monter en puissance au fur et à mesure euh, du temps. Et l'année prochaine, je pense que qu'il va exploser encore plus. C'est mon avis. Et pourquoi après. pas avoir euh, un petit euh, Gay à sa place au match retour et Gerson un cran plus haut tu vois, Ça pourrait être un, un truc rigolo à voir, ça aussi. Gay, pourquoi tu veux pas. dire, à la place de, de, de Gerson aujourd'hui et Gerson, mmh. du coup, à la place de Payette. Payette. Ok. Ben ouais, ça peut fonctionner, en tout cas. Euh, bon, voilà, tu vois, là, il, on dit aussi qu'il souffre peut-être de, de son prix et de ce qu'on aurait pu avoir avec ce prix-là. Euh, on nous a notamment cité Fofana, mais en fait, il y a un truc aussi qu'il faut bien, bien comprendre. Euh, tout ça, ça on l'a suffisamment dit et on, on a suffisamment d'exemples pour, pour en parler, mais il y a un tarif OM en Ligue 1 et même il y a un tarif OM tout court. Euh, c'est comme ça, hein, c'est de, devenu un peu... Euh, un, un peu un problème aussi, je pense, au niveau du recrutement pour, pour les, les dirigeants, parce qu'il y, y a vraiment des demandes un peu, un peu folles à chaque fois que l'OM s'intéresse à un joueur. Et bah forcément, quand l'OM se, se positionne pour un Fofana, par exemple, du RC Lens, ce n'est bah pas 18 millions ou 15 millions comme ça aurait pu être pour un, un autre club, mais là, ça tapait dans les 24, 25 ou des choses comme ça. Donc, ouais, puis euh... Gerson, euh, faut il faut quand même pas... rappeler qu'il a, 20... a que 24 ans ouais. et il, il s'était deux fois de suite euh, meilleur joueur du championnat brésilien. Et euh, mmh. Seco Fofana, il n'est pas arrivé cette saison, à ça fait non. deux ans. Donc, on pourra comparer l'année prochaine. Parce que si l'OM continue sur une belle lancée, moi je dis, attention, Gerson il peut exploser, il n'est pas encore au top, au top du top. Si Gerson il continue à évoluer comme je le vois évoluer, euh, je pense que Seco Fofana, euh, on en parlera peut-être moins. Ben, mais c'est ça. Mais après c'est un joueur voilà que, que les gens apprécient beaucoup parce qu'ils le voient aussi beaucoup. Donc, mais un euh... super joueur. Ah oui, bien faire... sûr. Mais avant ça c'est vrai que nous on voyait pas forcément Jerson euh, et nous on en a dit que du bien. Et toi aussi Nico qui connais quelqu'un euh, qui, qui suit euh, qui suit beaucoup ce, ce, ce club. Euh, je sais c non c'était pas Botafogo Botafogo c'était Flamengo cento... pardon. Flamengo euh, voilà et euh, donc oui, oui forcément c'était un joueur très, très très intéressant et très très coté euh, là-bas. Euh, donc, euh, donc voilà, je veux bien voir, comme, comme tu as dit, voir après déjà une petite saison d'adaptation, des bonnes vacances aussi, ou peut-être qu'il va faire la Coupe du Monde aussi ouais. avec euh, le Brésil, on, on verra. Mais au moins un moment bon. où il va pouvoir un peu se, se reposer euh, aussi, et après euh, réenchaîner avec une bonne préparation euh, avec l'OM, euh, c'est clair que ça, ça, peut, euh, ça, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose à la saison prochaine. Donc euh, pourquoi pas On verra. Euh, mais bon... Euh, c'était bien de faire un petit focus sur ce joueur parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'il est critiqué puis encensé puis critiqué puis encensé à chaque fois et il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de, jeu, de gens qui ont des, des avis très 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 divergents c'est pas dissident c'était divergent que je voulais dire que je voulais dire tout à l'heure parce que dissident ça n'a rien à voir avec ça mais euh, donc il, pas, il, il a failli être dissident à un moment donné c'était en début de saison mais finalement non, non il est rentré dans <laughs> <en train. rire> non non c'était c'est divergent voilà c'est ça le, le terme que que je voulais utiliser Messieurs, on a fait une heure d'émission euh, J'étais ouais, très très content de débriefer ce, ce match avec vous. Merci encore, Hakim. Euh, tu redeviens le, le, la petite patte de lapin, euh, ou le, voilà, tout ce que tu ouais. veux. Tous les trucs euh, euh, porte-bonheur. Le trèfle voilà. à quatre feuilles. Le trèfle, c'est ouais. ça. Merci, merci, à toi, merci à toi pour cette victoire, finalement. Voilà. Merci à vous de m'avoir invité pour la victoire. Nico, merci. On ne te retrouve pas demain. Je ne pense pas. Tu es, es toujours. Euh, Toujours incapable, impossible. Je suis, un peu, impossible. Positif, euh, je suis voilà. positif, donc je ne peux pas sortir de chez moi encore. C'est ça. Donc on te souhaite un bon rétablissement, euh, que tu te, te la fin, tu te reposes bien. Tu te reposes bien. Voilà, c'est déjà, déjà bien que, que tu sois là avec nous. Ça veut dire que que ça va, que ça va plutôt bien. Euh, donc euh, donc voilà, mais merci. Nous on se retrouve, messieurs dames, euh, sur FC euh, Marseille, bien sûr, demain, donc euh, vendredi à 17h30. Pour euh, Débat Foot Marseille avec euh, certainement Jean-Charles de bono Benjamin Courbe et euh, un invité. Je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas le nom de la personne personnellement. Non euh, non donc, euh, donc ouais, on ne va pas dire de bêtises. Euh, on rigole beaucoup là sur mon, mon t-shirt. Alors c'est pas un t-shirt, c'est un sweat déjà. Je, je, parce qu'il fait un peu frais quand même. Et euh, moi, j'en suis euh, très content. Voilà, ça a me bercé mon enfance Toy Story. Donc bien sûr que j'ai euh, j'ai quelque chose de Toy Story. Euh, voilà. <laughs> <laughs> euh, très bien, bah, écoutez, on se retrouve voilà, comme je vous ai dit demain à 17h30 sur les deux chaînes Twitch, YouTube. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site footballclubdemarseille.fr. Demain, il y aura quelques notes normalement sur, sur le site de notes de, de joueurs. Sûr. Voilà, il y, aura, il y aura tout ça. Les déclarations aussi des, des, des deux coachs, etc. Il y aura tout. Donc, allez sur le site footballclubdemarseille.fr et on se retrouve demain. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Salut.